Bonjour, je suis Germain Perrin, pharmacien praticien hospitalier à l'hôpital européen Georges Pompidou et membre de l'équipe de recherche ECA, donc qui est une équipe projet INSERM, INRIA et Université de Paris. Je représente le projet Adhérence, qui vise le développement d'algorithmes pour l'évaluation de l'adhésion thérapeutique, qui correspond à l'acceptation du traitement par le patient, et de ses conséquences cliniques dans la prise en charge de maladies chroniques. Ce projet implique l'INRIA avec l'équipe ECA, le département de pharmacie de l'hôpital européen Georges Pompidou et les services d'oncologie médicale et de pharmacologie de l'hôpital Henri Mondor. L'objectif principal du projet est de développer, évaluer et partager des algorithmes d'évaluation du niveau d'adhésion thérapeutique dans le cadre de trois pathologies chroniques et de l'impact de cette adhésion sur l'évolution clinique de ces pathologies. Ces trois maladies sont les cancers traités par voie orale, l'insuffisance cardiaque et les transplantations d'organes solides traités par médicaments immunosuppresseurs. Pour cela, nous associerons les données du Système national des données de santé, le SNDS, celles de l'étude sur l'observance Freedom réalisée au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou, ainsi que des données de dosage pharmacologique réalisées au sein de l'hôpital Pompidou et de l'hôpital Henri Mondor. Les algorithmes développés seront utilisés pour étudier les liens, que ce soit en termes d'association et ou de causalité, entre une non-adhésion thérapeutique et l'évolution clinique des pathologies que nous pensons importants. En perspective, les algorithmes de ciblage du projet pourront servir à identifier des profils de patients non-adhérents, profils qui pourraient amener des éléments d'explication de la non-adhésion, ouvrant ainsi la voie à la proposition d'interventions ciblées et adaptées à chaque profil de patient.